Viking. Ces tiges de bambou viennent de fort loin du pays du dragon. Elles sont très spéciales et d'une fragilité extrême. Dépêchons-nous, Viking! Je veux être à Flek avant la tombée de la nuit! Qu'est-ce qu'il y a déjà après deux? Capitaine! Fougre de rascasse, à cause de toi, il faut que je reprenne depuis le début! Quatre, c'est ça. Après deux, c'est quatre. On peut faire bien mieux que ça, chef. Alvar s'apprête à faire route pour Flek avec une grosse cargaison. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu prévoyais de garder tout ça pour toi, c'est ça? Tu voulais me voler à vous? Non, pas du tout, chef. J'ai un... vous avez un plan. Nous allons suivre le drakkar des Vikings et l'aborder en haute mer pour le piller. Hein? Mon plan est génial, hein? Tous à vos postes! Les runes sont formelles, le temps fait se trouve. Papa, regarde! Ici. Ah, où étais-tu, mon garçon? J'ai acheté des... Quoi? Du bout de bois? Tu as payé ça combien? Je les ai payés une pièce d'or. Quoi? Quel est le pirate qui t'a vendu ça? C'est un charlatan qui t'a mené en bateau, fiston. Non, pas du tout. Ça fera une chouette surprise pour Ylvie et maman et... Allez, viens, fiston. On lève l'ancre. Mettez le cap sur Flek, vous autres. Sent ici la bonne odeur de la tarte aux grutes, Dilva. Avec ce vent, nous serons rentrés à temps pour dîner. Oui, notre voyage se déroule sous les meilleurs auspices. Le dieu Thor nous protège de tout danger. On va les aplatir comme de l'immense Viking. Génial, marche à la perfection. Oui. Ne t'en fais pas, Vic. J'ai connu bien pire que ça. Mais papa, notre drakkar est complètement coincé sur le rocher. Un viking ne s'avoue jamais vaincu. Même dans les moments les plus terribles. En avant, viking! Tous ensemble! Ah,
Jusqu'aux cornes. Au fait, cette corne de brume, elle arrive. J'ai trouvé mieux que ça, Papounet. Heureusement que mon fils est là. Grâce à lui, on va nous entendre jusqu'à Fleck. Ces imbéciles de vikings nous supplient de venir piller leur navire. Un navire, nous sommes sauvés. Je vous l'avais bien dit, Thor, le dieu du tonnerre, protège toujours les naufragés. Sous l'aile blanche du puissant Thor cache les vikings en leur chair. Oh non, Sven le terrible, il va nous attaquer, Papounet. T'inquiète pas, fiston. Le code de la marine est très clair. Il doit nous porter secours. Chef. Mon coffret. Non, laisse tomber. Alors, ça ne vaut pas un clou. Sven, tu as volé notre cargaison. Maintenant, sors-nous de ces rochers. Sven le terrible ne respecte rien. Larguez les amarres. Urobe, c'était quoi déjà ton histoire sur Thor et les naufragés? Suis-moi, papa. Un, deux, test son. Un, deux. Un, deux. Sven! C'est Thor qui te parle, Yaïskalaï! Est-ce que tu m'entends? Sven! Tu n'échapperas pas à ma colère! Tu connaîtras le sort que je réserve à ceux qui abandonnent les naufragés! Thor, c'est pas vrai! Château de sable, vous autres! Allez à mon âme! On s'en va! Oh, Thor, épargne-nous! N'ayez pas peur, les amis! C'est une ruse! Venez voir! Rendez-moi ça! C'est mon butin!
Lâche-moi, sale traître! Détache-moi tout de suite, j'entends! Bon, eh bien, merci, Sven, hein? Et pendant que j'y pense, Thor te souhaite bon vent! Des crevettes sans cervelle! Tu vas me le payer cher! Cette aventure m'a donné faim. Tu es bien le fils de ton père. Maintenant, mangeons! Il y a de la tarte au grut au menu!